Les poteaux, c'est Yoshi. Si je t'emmerde, caméra, tu me le dis tout de suite, hein. Oui, j'ai un petit problème au niveau de la caméra. Non, rien de spécial, hein. Le son sort toujours de la caméra et la caméra filme toujours très bien. Hein. C'est juste que, c'est con, mais le trépied, il manque le bout pour le visser sur la caméra. Je sais pas où je l'ai foutu. En fait, la caméra repose sur un boîtier. Pour mettre la cravate sur une boîte vide, sur un manga, et il y a le câble pour charger le micro et où il y a la posée la caméra. Bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est pour l'épisode 2 des cosplays dans les conventions. Et honnêtement, ça m'avait plutôt fait cette petite vidéo, et pourquoi pas recommencer tout simplement. Hein. Alors avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que toutes les vidéos que vous allez voir appartiennent à leur propriétaire d'origine, hein, que ce soit la dernière fois pour le Guinness World, Mika-chan et Akshu. Voilà, tous ceux qu'on a vus, ça appartient à leur propriétaire d'origine. Je ne m'approprie pas les vidéos. Je ne fais que les regarder et je donne mon avis qui est le mien. C'est chiant comme début. Hein. Donc on est sur ma magnifique page YouTube. Hein, avec un beau Yoshi et voilà. Bon, on va faire la vidéo, vous inquiétez pas. J'avais l'idée pour cette vidéo de chercher avec des thèmes. La dernière fois, on avait fait du Zelda, je crois. Non, c'était du World of Warcraft, je sais plus. Là, on va chercher, par exemple... Alors, concours. Cosplay Undertale. Qui est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Ah, il y en a pas mal. On va s'en rater quelques-unes. Japan Sun 2017 concours cosplay Undertale. De la chaîne SB. Excellent. C'est excellent. Alors, je vous avouerai un truc, quand j'ai vu la miniature de la vidéo, je pensais pas qu'il allait faire ça. Non, non, au contraire, je pensais qu'il allait faire... Attends. Oui, bon, je suis un gars, je vous emmerde. Non, je vous emmerde pas, je vous aime. Non, je pensais qu'il allait faire ça. C'était pas mal. Undertale, cosplay, speedrun... Et après, je sais pas lire. Donc c'est du Undertale, toujours. Давным-давно землей правили две расы, люди и монстры. Однажды война разломалась. А ну нахрен, игру же вроде перевели недавно. Однажды между двумя расами разразилась война. После долгой битвы, бла-бла-бла, запечатали монстров под землей. Короче, все понятно, я играю за тупого ребенка, который тогда провалился. Быстрее! Так, бегать я не могу, перекатываться тоже, укрыться негде. Игра года, ага. Так, speedrun time! Приветик! Я цветок по имени Цветик. Позволь объяснить тебе, как устроен этот мир. Только быстрее, мне надо всю игру за 10 минут пройти. Смотри, это твоя душа. Чтобы твоя душа стала сильнее, ты должен повышать свой ЛВ. Что значит ЛВ? Это любовь, конечно же. А фигли не перевели? А, ну да, ранний доступ. В подземном мире мы делимся любовью с помощью лепестков любви. Лови. У меня один CC на лунатике. Я на такой тупой дамаку не куплюсь. Ты знаешь, что здесь происходит, да? Так, на катсцену это не похоже.
Умри! Кто может мучиться? Торп, ложь! Мне нужно всю игру за 10 минут пройти, а я в одной лодке застрял! Это что? О, сейвпоинт! Ты должна пустить меня в следующую локацию. Тогда ты должен доказать мне, что сможешь выжить в одиночестве. Ты должен победить меня. У меня нет на это времени. Я играл в покемонов и знаю, как это работает. Я только немного понижу твое ХП. Тогда ты поймешь, что я готов. А твой туалет? А это? Это световик, а вот вообще не человек. А это человек? Человек. En plus, on a vu sur le haut, ils ont un timer, hein, ils doivent tenir 10 minutes. C'est chaud, 10 minutes. Hein. C'est cool. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir de vous-même, en fait, parce que... Voilà, moi, je regarde comme ça, c'est... Voilà. J'essaye de me justifier. Alors, on a quoi d'autre? Le CSFO concours cosplay solo de Undertale. De AECFO 84. Oh non, Undertale, alors c'est de Undertale, donc on va accueillir Crosscara de Undertale. Je connais pas Crosscara. La musique elle est jolie. C'est un remix de Megalovania, je pense que... Excellent! Bon, hey, on va faire ça pour chaque vidéo. Hein. On laisse un pouce bleu et on laisse un commentaire. J'espère que je vais faire un petit peu de pub. Où suis-je? Wow. C'est quoi cette scène? Dictateur, tu es là? Bip, humain, tu ne passeras pas. Alors, d'après Alchis, pour le vin, je dois appuyer sur le bouton derrière. Qu'est-ce que tu fais? Arg! À tout casser. Oh yes. Oh, excellent cosplay. De quoi? Mais j'ai juste appuyé sur un bouton. Actif au secours, ton astuce anti-roboture ne marche pas. Lumière, caméra, drama. Excellent. J'avouerai que la dernière phrase qui vient de suivre, je l'ai pas compris. Mais c'est très bien! Voilà, c'était peut-être pas grand chose pour vous, mais moi honnêtement, ça m'a fait kiffer de refaire une petite vidéo sur les cosplays. On en refera une troisième, hein. Mais on en fera plusieurs. Hein. Mais cette fois, c'est vous qui allez me donner le thème du cosplay de la prochaine fois. Donc là, on a fait Undertale, la dernière fois, on a un petit peu expérimenté, on a fait du Zelda et du WoW, du World of Warcraft. Non, j'ai la flemme d'aller voir en fait. Bref! J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire et à proposer aussi les thèmes des cosplays à voir la prochaine fois. À la partager, à laisser un petit commentaire et à s'abonner, mais bien sûr c'est si vous n'avez que ça à foutre. Voilà. Et moi je vous dis au revoir.
C'était Yoshi. Au revoir. Maintenant, on éteint la caméra.